Bonjour Elisabeth. Bonjour Monsieur du Tremblay. Alors, 2019 est l'année du 500e anniversaire des apparitions de Notre-Dame de Grâce à Cotignac en Provence. À cette occasion, les éditions de Chiret viennent de rééditer votre livre paru en 2015. Cotignac est la mission divine de la France. Et je crois que vous parcourez la France pour donner des conférences sur ce sujet à tous ceux qui vous le demandent. Tout à fait. Et je ne voudrais pas manquer de préciser, Monsieur du Tremblay, que vous êtes le dévoué préfacier de cet ouvrage. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer les lecteurs de ce livre et les auditeurs de cet entretien. Pouvez-vous nous dire pourquoi les apparitions de Cotignac vous tiennent tant à cœur? Eh bien, les événements de Cotignac s'inscrivent dans la grande histoire de France et elles figurent parmi les nombreuses interventions de la Vierge Marie dans le royaume de France, toutes les fois que notre pays est sur le point de perdre son identité et par là sa mission de fille aînée de l'Église. Et d'autre part, ces événements nous montrent l'extraordinaire dilection de la Vierge Marie pour le royaume de France, pour la France. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs quelle est cette mission ? Il n'est qu'à rappeler les paroles de l'évêque Saint-Rémy à Clovis dans la nuit de Noël 496. Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné à la défense de l'Église romaine, la seule et véritable Église du Christ. Et le Eugenio Pacelli, qui deviendrait le pape Pie XII, nous rappelait que chaque peuple, comme chaque individu, chaque peuple a sa vocation. Ce fut le cas à Pommain en 1871. Oui, à Pommain en 1871, eh bien, la Vierge Marie, le 17 janvier, est apparue aux petits-enfants et elle leur a dit « Mais priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher, il vous exaucera, Dieu vous exaucera en peu de temps. » Et dans la nuit même, les Prussiens qui étaient aux portes de Laval ont renoncé à leur projet et quelques jours après, l'armistice était signé. Ce fut aussi le cas à l'île Bouchard. On pourrait citer de nombreuses apparitions, interventions de la Vierge Marie dans l'histoire de France. Pour revenir à Cotignac, dites-nous quels sont les événements qui se rapportent à l'histoire de ce village de Provence. Il faut retenir trois événements principaux. Le premier, le 10 août 1519, la Vierge Marie apparaît à Jean de la Baume, et ceci pour prévenir la France et par là pour la sauver. La deuxième manifestation a lieu à Paris. La Vierge Marie apparaît à un jeune religieux, le frère Fiacre, pour assurer la pérennité, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure, pour assurer la pérennité du royaume de France. Et la troisième apparition, qui a lieu le 7 juin 1660, est l'apparition de Saint-Joseph pour implanter, pour développer à la fois le culte et la dévotion à ce grand saint, cette dévotion dont le pape Pie IX dira qu'elle est le salut de la société contemporaine. Que pouvez-vous nous dire à propos de l'apparition de la Sainte Vierge en 1519? Alors, pour cela, nous allons suivre sur le raidillon qui monte au sommet du Mont Verdaille, nous allons suivre Jean de la Baume au petit matin du 10 août 1519. Parvenu au sommet du Mont Verdaille, Jean de la Baume s'agenouille face au décor
immense et solennelle des massifs, du massif des morts. Et là, il commence sa prière. Te saludo Mario, lui Seigneur est aimé tout. Sa prière étant achevée, il se relève et la nuée se déchire dans un tourbillon de lumière et là il voit apparaître 5 personnes. Une belle dame resplendissante de beauté et de majesté qui tient en ses bras un petit enfant. Vous les avez reconnus, il s'agit de la Vierge Marie, il s'agit de l'enfant Jésus. À côté d'eux se tient aussi un archange ruisselant de lumière, c'est l'archange Saint-Michel. Et voici deux autres personnages, Sainte Catherine d'Alexandrie et Saint Bernard de Clairvaux. L'apparition s'évanouit et laisse Jean de la Baume à sa solitude. Il décide de n'en souffler mot à personne. Il est inquiet. N'a-t-il pas été victime d'une illusion ? Le lendemain matin, dans une émotion que l'on devine, Jean de la Baume se rend de nouveau pour scier ses arbres, couper ses arbres, se rend de nouveau au sommet du Mont Verdail. Et sa prière étant achevée, une fois encore, il voit apparaître ces 5 personnages. Donc, à ce moment-là, cette fois, la Vierge Marie s'adresse à Jean de la Baume. Dites au clergé, dites aux notables que je désire que soit construite ici une église sous le vocable de Notre-Dame de Grâce et qu'on y vienne en procession pour recevoir les grâces que je désire y répandre. Et cette fois, l'apparition disparaît. Jean de la Baume ne doute plus, il se précipite dans le village sur les places de Provence que l'on imagine facilement, avec ses platanes, son ombrage et sa fontaine au centre, et il dit l'apparition qui vient de se produire. Le village le croit. Et peu de temps après, un mois après, on va souscrire au vœu, satisfaire au vœu de la Vierge Marie. Tout le village se porte au sommet du Mont Verdail pour commencer les travaux de cette chapelle demandée par la Vierge Marie. Au premier coup de pioche et de pelle, stupeur, des ossements apparaissent, accompagnés de quelques objets qui permettent de penser qu'il s'agit là de la tombe d'anciens martyrs. Et d'autre part, des guérisons ont lieu immédiatement. En fait, la Vierge Marie est apparue sur un autre Montmartre, sur un autre mont des martyrs. Et la chapelle qu'elle a demandée s'élève donc sur la tombe de ces martyrs. Alors, existe-t-il un lien entre ces apparitions et l'émergence du protestantisme en France? Oui, bien entendu. 1519, depuis 3 ans, Luther répand ses hérésies à travers la France. Il nie les dogmes de notre religion, en particulier le célibat des prêtres, le port de l'habit religieux, les vœux religieux, les indulgences. Il nie encore le purgatoire, les saints, en particulier la Vierge Marie. Et bien entendu, il s'attaque à la messe. Alors, en quoi l'apparition de Notre-Dame de Grâce est-elle une réponse aux hérésies de Luther? Eh bien, vous voyez, la Vierge Marie apparaît portant l'enfant Jésus dans ses bras. Elle est donc mère de Dieu. Et Jésus lui-même cautionne les paroles qu'elle a prononcées. Elle s'adresse au clergé quand elle dit « Allez dire au clergé ». Elle est donc mère de l'Église. « Allez dire au consul ». Elle est donc reine de France.
Elle parle des grâces qu'elle désire répandre. Elle est donc dispensatrice de toute grâce, ce qui nous laisse pressentir qu'elle est aussi médiatrice de toute grâce. Maintenant, parlez-nous de la deuxième manifestation de Notre-Dame de Grâce, près de 140 ans plus tard, à Paris, cette fois-ci. Nous allons parler du contexte historique de cette apparition. Louis XIII, le roi toujours victorieux, le roi que l'on appelle le Juste, est marié depuis 21 ans à la reine à Anne d'Autriche. Le mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche n'a pas donné d'héritier à la France, ce qui inquiète énormément les Français et ce qui surtout va favoriser les complots. La reine Anne d'Autriche multiplie les prières, multiplie les sacrifices, multiplie les aumônes et mobilise toutes les communautés pour prier à cette intention. Et là, il nous faut parler d'un jeune frère, un Augustin Deschaussée, le frère Fiacre, qui a eu d'ailleurs beaucoup de peine à se faire admettre dans son couvent. Qu'avait-on à faire d'un potier en état, d'une âme si simple, si humble? Enfin, le voici admis, or il tombe malade, il tombe gravement malade, et il se désole. Comment, moi l'inutile, le serviteur inutile, moi l'indigent, voici que je vais ruiner mon couvent par les médicaments que je suis obligé que l'on achète pour moi. Il est désolé et le frère infirmier le trouve en pleurs dans son lit. Il dit, mais petit frère, mais qu'avez-vous? Frère Fiacre s'ouvre à lui de son inquiétude et le frère le rassure et lui dit, mais non, ne pleurez plus petit frère, car ce n'est pas le couvent qui subvient à vos médicaments, c'est Anne d'Autriche elle-même qui paye toutes les dépenses du couvent, toutes les dépenses qui se rapportent aux maladies, etc., aux soins médicaux. Alors il semble au frère Fiacre que la reine elle-même se penche au-dessus de lui. Et le frère lui ajoute, savez-vous, elle agit ainsi parce qu'elle voudrait que le ciel lui donne un dauphin. Comment, pense le frère Fiacre? Cette reine, au cœur de mère, n'a pas d'enfant. Et alors, il décide de consacrer toutes ses prières, par reconnaissance, à cette intention. Et quand on dit que le frère Fiacre a prié, c'est peu dire, car en réalité, il se levait la nuit pour prier, il jeûnait, il se flagellait, si bien qu'il a touché ainsi le cœur de Dieu. Et une nuit, alors évidemment il a eu plusieurs monitions, mais nous allons parler surtout de cette nuit où le 3 novembre 1637, vers 2h du matin, frère Fiacre est en prière à son oratoire, dans sa petite cellule. Et soudain, il entend pleurer derrière lui, un bébé pleure. Il se retourne du côté d'où vient la voix et il voit une belle dame, les cheveux défaits, portant en ses bras un enfant presque vagissant. Et la Vierge Marie lui dit, « Je suis la mère de Dieu. » À cet instant, le frère Fiacre s'imagine que l'enfant que la Vierge Marie porte dans ses bras est Jésus-Christ. Et il se précipite à terre pour adorer ce petit enfant. Mais la Vierge Marie l'arrête. « Non, mon enfant, lui dit-elle, l'enfant que je tiens n'est pas mon fils. Il est le dauphin que Dieu veut accorder à la France. » Et elle lui demande de prévenir la reine Anne d'Autriche qu'elle aura à dire 3 neuvaines. Une à Notre-Dame des Victoires, ce qui n'est pas étonnant puisque le couvent a été fondé Louis XIII. Deuxièmement, elle aura à dire
une neuvaine à Notre-Dame de Paris, que Louis XIII appelait la paroisse des rois. Et troisièmement, chose extraordinaire, mais vous le devinez, la Vierge Marie demande que Anne d'Autriche prononce la dernière neuvaine à Cotignac, à 800 km de Paris. Je passe sur de nombreux détails, le temps est court. La reine prévenue, Louis XIII prévenu, croit tout à fait la relation que fait le frère fiacre de cette apparition. Et par décret, Louis XIII envoie le frère fiacre prononcer cette neuvaine en nom et place de Anne d'Autriche à Cotignac. Alors, la consécration du royaume de France par le roi, le 15 août 1637, consécration que l'on désigne habituellement par le vœu de Louis XIII, a-t-elle un rapport avec les événements de Cotignac et la naissance du dauphin? Alors certainement il y a un rapport, mais ce serait à tort que l'on croit, c'est ce qui est le cas habituellement, que le vœu de Louis XIII désigne effectivement un vœu qu'aurait prononcé Louis XIII, c'est-à-dire « Vierge Marie, si vous me donnez un dauphin, je consacre le royaume de France, je vous consacre le royaume de France ». Tel ne fut pas le cas. Depuis longtemps, et même depuis son enfance, Louis XIII avait le sentiment qu'il devait faire une consécration, un acte spécial en l'honneur de la Vierge Marie. Et depuis un certain temps, le père Joseph du Tremblay avait reçu de la part de Anne de Goulaine, sœur de Jésus crucifié, il avait reçu d'Anne de Goulaine une monition de la part de notre Seigneur demandant cette consécration. Et sous l'inspiration donc du père Joseph du Tremblay, de Richelieu aussi, Louis XIII avait déjà commencé à rédiger des petits textes, des petits brouillons de cette consécration. Et puis, lorsqu'il l'avait décidé, mais il avait demandé à ce que la France s'y préparât et consacrât 3 ans à cette préparation, tellement il la tenait pour importante. Or, voici qu'en peu de temps, il le fait adopter le 6 janvier 1638, donc le jour des rois. En février, il le fait signer. Il envoie en février aussi donc le frère fiacre à Cotignac et il prononce son vœu le 15 août. Donc, que s'était-il donc passé pour que Louis XIII précipita ainsi les choses? Eh bien, l'enfant annoncé par le frère fiacre avait bougé dans le sein d'Anne d'Autriche et Louis XIII, ne voulant pas tarder la manifestation de sa reconnaissance envers la Vierge Marie, avait décidé de dater la prononciation de ce vœu. D'ailleurs, on le lit à demi-mot. Je dis à demi-mot parce que Louis XIII était introverti, Louis XIII était pudique, mais dès la première partie du texte du vœu, il parle de cette reconnaissance, sans en citer exactement le motif, il parle de cette reconnaissance qui lui a fait hâter la prononciation du vœu. Mais on peut aussi penser à une chose qui est très émouvante. Lorsque la Vierge Marie est apparue au frère fiacre, elle portait en ses bras ce petit enfant, le futur Louis XIV. Ainsi, le premier berceau, le premier trône de Louis XIV fut les bras de Marie. Et on peut considérer qu'ainsi la Vierge Marie appelait, en la préfigurant, la consécration de la France. Et voilà donc le rapport qui existe entre le vœu de Louis XIII, la naissance de Louis XIV
et Cotignac. Pourquoi Cotignac? Eh bien, parce que lorsque la Vierge Marie est apparue au frère Fiacre, elle lui a donné comme preuve de l'authenticité de cette apparition, elle lui a donné la vision du tableau qui était à Cotignac. Ce tableau miraculeux. Voilà, elle est ainsi apparue et elle lui a montré ce tableau et elle lui a dit qu'à Cotignac, il verrait ce tableau. Alors, petite anecdote, quand le frère Fiacre est arrivé à Cotignac, après presque trois mois de marche avec le supérieur du couvent, il avait quêté tout au long de son chemin, il avait quêté sa nourriture, parfois un endroit où dormir parce qu'il dormait souvent dehors. Lorsque le frère Fiacre arrive au sanctuaire, dans les moussons que l'on devine, son premier souci fut d'adorer la présence réelle. Et ensuite, il lève les yeux vers l'endroit où la Vierge Marie lui avait indiqué que se trouvait le tableau. Et voilà notre pauvre petit frère qui éclate en sanglots. Le tableau n'y est pas. Alors, un frère, c'était les oratoriens qui tenaient le sanctuaire. Un oratorien passe dans la chapelle et voit ce petit frère en pleurs. Il lui dit, mais que se passe-t-il? Il raconte son malheur. Il dit, mais non, c'est que le tableau est dans la sacristie parce que pour l'instant, il y a des travaux dans le chœur. Et il conduit pour le frère Fiacre à la sacristie. Et cette fois, le frère Fiacre laisse échapper des pleurs de joie et d'action de grâce, il reconnaît le tableau que lui avait présenté la Sainte Vierge. Alors, que direz-vous maintenant à propos du troisième événement qui se rapporte à Cotignac, c'est-à-dire l'apparition de Saint Joseph le 1er juin 1660? Le 7 juin 1660, Louis XIV fait franchir à l'infante d'Espagne Marie-Thérèse fait franchir la frontière espagnole. Elle vient de l'épouser par procuration et lui l'emmène à Saint-Jean-de-Luz où sera célébré le mariage religieux. Au même moment, à Cotignac, un berger, Gaspard Ricard, conduit son troupeau au sommet, cette fois non pas du mont Verdaille, mais du mont Bessillon. C'est une journée de particulière sécheresse, d'intense aridité. Et Gaspard Ricard a trouvé peu de choses à faire brouter à ses moutons, et surtout, il n'y a pas d'eau. Et il pense mourir, parvenu au sommet du Bessillon, il pense mourir de soif avec ses moutons. Il s'écroule sur le sol. À ce moment-là, un vieillard venu d'on ne sait où, se dresse, se tient à son côté et lui dit « Je suis Joseph. Lève-la, dit-il en désignant un gros rocher, un énorme rocher, lève-le et tu boiras. » Il répète sa monition. Gaspard, abasourdi, glisse les mains sous le rocher, il le soulève, le rejette de côté, et à ce moment-là, jaillit une source abondante qui coule encore aujourd'hui. Gaspard se précipite, baigne son visage desséché, boit avec avidité cette source fraîche, les moutons, on peut le penser, en font de même. Et lorsqu'il se relève pour remercier son bienfaiteur, il s'aperçoit que celui-ci a disparu, ce qui est bien la signature de Saint Joseph. Alors, laissant là, et la phrase est très jolie, laissant là, c'est ce que nous raconte ce que l'on retrouve dans les archives, laissant là son troupeau à la garde de Dieu, Gaspard dévale les sentiers qui le mènent à Cotignac. Et là, sur la place du village, il raconte ce qui s'est passé.
Il jouissait d'une excellente réputation. C'est pourquoi il est cru tout de suite. Et tout le monde se précipite pour franchir les 3 km 500, il faudrait parler en lieu, pour franchir cette distance qui se sépare du mont Bessillon. Il faudra 8 hommes pour soulever cette pierre que lui a dégagée sans peine. Et il ne sait que répéter, c'est bien Saint-Joseph qui m'est apparu. C'est bien Saint-Joseph qui m'est apparu. Très vite, des miracles se produisent sur le lieu de cette apparition. Alors, bien entendu, on va dire, mais quel rapport entre l'histoire de France, l'histoire de Cotignac et l'apparition de Saint-Joseph? Alors, il faut se poser 3 questions. Premièrement, à quel titre Saint-Joseph est-il apparu à Cotignac? Généralement, on parle de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie. Saint-Joseph, père nourricier de Jésus. Saint-Joseph, chef de la Sainte Famille. Mais Saint-Joseph n'est pas apparu aux côtés de la Vierge Marie. Donc, il n'apparaît pas en tant qu'époux de la Vierge Marie. Il n'apparaît pas ayant l'enfant Jésus à son côté ou dans ses bras. Donc, ce n'est pas sur le titre du père nourricier de Jésus qu'il apparaît. Il n'apparaît pas avec la Vierge Marie à son côté et l'enfant Jésus. Donc, il n'apparaît pas en tant que chef de la Sainte Famille. Alors, à quel titre apparaît Saint-Joseph? Il apparaît, je pense, sous le titre que lui a donné l'ange le jour de son annonciation, 3 mois après l'annonciation de la Vierge Marie. Joseph, lui dit l'ange, Joseph, fils de David. Et ainsi, l'ange le rappelait à sa dignité. Non pas que Joseph ait douté de l'honneur de la Vierge Marie, mais subodorant ce mystère, il se sentait dépassé et dans son humilité, il ne voulait pas être mêlé à cette affaire. Saint Joseph, fils de David, lui dit l'ange, le rappelant sa dignité. Et bien là, Saint Joseph apparaît en fils de David, c'est-à-dire dernier roi de Juda, dans son titre royal. Et, deuxième question qu'on peut se poser, à qui s'adresse-t-il? Eh bien, il faut savoir que Gaspard Ricard, en réalité, n'est que le mandataire de Saint-Joseph. À travers sa personne, c'est au roi Louis XIV que Saint-Joseph s'adresse. Joseph, fils de David. Joseph, roi d'Israël. Joseph, roi de France, depuis que la mission d'Israël a été confiée à la France. Il s'adresse au roi Louis XIV. Effectivement, lorsque Louis XIV a appris cette apparition à Cotignac, il a été abasourdi. Comment? Le ciel se manifeste encore à Cotignac? Cotignac, où les rois du ciel et le roi de la terre se rencontrent? Cotignac, c'est la... On pourrait dire, c'est la boîte aux lettres entre le ciel et la terre. Et Louis XIV ne doute pas que le message s'adresse à lui. Et effectivement, Louis XIV a quelque chose presque à se reprocher. En effet, Grégoire XV, en 1621, avait demandé à ce que le culte de Saint-Joseph, et particulièrement la fête de Saint-Joseph, Grégoire XV avait demandé à ce que la fête de Saint-Joseph, le 19 mars, devienne une fête d'obligation. Et Urbain VIII, en 1642, avait renouvelé ce mandement, cette prescription pontificale. Or, il fallait que tous les pays catholiques, que tous les rois des pays catholiques, entérinent, imposent par décret cette fête d'obligation dans leur pays, ce que s'était empressé de faire l'Italie. Mais la France, par indifférence, par inertie, n'avait pas réagi. Or, il fallait que la France, fille aînée de l'Église, premièrement donne l'exemple,
Et il fallait aussi que, deuxièmement, eh bien, elle ne faillisse pas à sa mission. Louis XIV, réalisant la situation, a décidé de faire imposer ce décret. Or, un événement un petit peu précipité les choses, ce fut la mort de Mazarin dans la nuit du 8 au 9 mars 1661, ce qui laissait Louis XIV en pleine possession de son pouvoir royal. Et le premier acte officiel qu'il ait fait a été de décréter, donc d'imposer par décret royal, d'imposer cette fête de Saint-Joseph dans son royaume. Et le premier 19 mars, donc devenu fête d'obligation en France par prescription pontificale naturellement, mais par décret royal, il l'a honoré d'une façon particulière avec Anne d'Autriche. Le matin, il a assisté à une messe au palais du Louvre, messe célébrée par Bossuet, et l'après-midi, il a assisté au célèbre panégyrique de Bossuet, Dieu sait chercher un homme selon son cœur. Alors, quel lien établissez-vous entre les apparitions du 10 août 1519, du 3 novembre 1637 et du 7 juin 1660? Eh bien, je pense qu'il faut souligner, à la faveur de ces trois apparitions, ces trois manifestations, il faut souligner l'actualité des messages qui ont été délivrés, soit à Cotignac, soit à Paris. Voyez, lorsque la Vierge Marie apparaît à Cotignac pour la première fois, elle vient d'énoncer les deux mots qui minent la France aujourd'hui. Tous les mots que nous avons dans l'Église procèdent du protestantisme. La messe qui perd son caractère sacrificiel, les sacrements qui ne sont plus dispensés selon les rituels de l'Église, et tant d'autres mots qui font que la foi catholique n'est plus transmise aujourd'hui. Lorsque Saint-Michel est apparu, lorsque la Vierge Marie est apparue au sommet du Mont Verdail, se tenait à son côté l'archange Saint-Michel. L'archange Saint-Michel qui avait dit à Sainte Jeanne d'Arc, « Je suis le protecteur de la France. » Et la pucelle d'ajouter, « Il me disait que je vinsse au secours du roi de France. » Voyons aussi Sainte Catherine d'Alexandrie, martyr, jeune martyr à 17 ans du 4e siècle. C'est Sainte Catherine d'Alexandrie qui prépara l'enfant de Don Rémy à sa mission. Et c'est derrière l'autel de la chapelle que Charles Martel fit bâtir à Fierbois, c'est derrière cet autel que Sainte Jeanne d'Arc envoya chercher l'épée de Charles Martel. Car dans cette chapelle de Sainte Catherine de Fierbois, les soldats avaient l'habitude de venir déposer en ex-photo leurs épées, leurs armes, en reconnaissance. Et Sainte Jeanne d'Arc était à Tours lorsqu'elle demanda que l'on vienne chercher cette épée. Comment la reconnaître, cette épée de Charles Martel? Comment la reconnaître entre tant d'autres? Eh bien, elle portait dans sa garde 5 croix qui représentait les 5 plaies du Christ. Et quand on s'est saisi de cette épée, la rouille est tombée d'elle-même. Et c'est cette épée qui par deux fois sauva la chrétienté, une fois dans les mains de Charles Martel, lors de la bataille de Poitiers en 732, pour nous sauver de l'islam, et une autre fois dans les mains de Sainte Jeanne d'Arc, qui s'en est servi pour bouter les Anglais hors de France. Elle ne parlait pas de réinsertion, elle ne parlait pas de... Enfin, voilà, pour bouter les Anglais hors de France. Voyons aussi
Saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard qui prêcha la deuxième croisade à Vézelay en 1146. Et Saint Bernard, grand dévot de la Vierge Marie, et qui disait « Saignez, saignez du verbe cindre, saignez vos reins, n'abandonnez pas le roi des cieux. » Et on pourrait dire que la présence des cinq personnes qui sont apparues à Jean de la Baume, la Vierge Marie, l'enfant Jésus dans les bras de Marie, Saint Michel, Sainte Catherine d'Alexandrie, Saint Bernard, on pourrait dire que ces cinq personnes, la présence de ces cinq personnes, reprend ce cri de guerre de Saint Bernard. Saignez vos reins, saignons nos reins, n'abandonnez pas le roi des cieux dans cette période si difficile que traverse la Sainte Église. Voilà déjà l'actualité de ce premier message. L'actualité du deuxième message de la Vierge Marie, cette fois de l'actualité du deuxième message qui paraît dans l'apparition au frère Fiacre, nous montre la volonté du ciel de donner une pérennité au royaume de France à travers la naissance miraculeuse du dauphin, à travers la naissance miraculeuse de Louis XIV. Et puis, troisième apparition, celle de Saint Joseph, le 7 juin 1660, sur le mont Bessillon. Eh bien, nous le comprenons bien mieux à travers les monitions des papes qui ont suivi cette apparition. Citons notamment le pape Pie IX, qui en 1870 instituait Saint Joseph patron de l'Église universelle, et qui rappelait que la dévotion à Saint Joseph et le salut de la société contemporaine. Propos que devait reprendre aussi Léon XIII, et Pie IX, et le pape Pie IX, et le pape Léon XIII, et le pape Pie X ont cité les mots qui, à leur époque, étaient déjà suffisamment graves et qui, aujourd'hui, viennent miner la Sainte Église. Et donc, il faut que cette dévotion à Saint Joseph soit établie en France, fille aînée de l'Église, pour sauver la chrétienté. Alors après tout ça, peut-on dire, en conclusion, que ce livre est d'une certaine façon une leçon d'histoire de France ? Oui, d'une certaine façon, ce livre est une modeste leçon d'histoire de France, sans doute, mais je voudrais surtout conclure en disant que c'est une leçon d'espérance. Voyez, toutes ces apparitions nous montrent la direction extraordinaire du ciel, la direction extraordinaire de la Vierge Marie pour le royaume de France, dont Sainte Jeanne d'Arc disait « Le royaume de France est le plus beau après celui du ciel. » Leçon d'espérance aussi, puisque le bon Dieu a confié une mission à la France, il est certain, c'est certain, mais il ne la laisse pas en déshérence. Et toutes les fois donc que la France a failli, comme je le disais au début de cet entretien, toutes les fois que la France a failli perdre son identité, a failli perdre sa mission providentielle, eh bien le ciel est intervenu. Et nous pouvons espérer, nous pouvons penser, nous pouvons croire que le ciel interviendra dans cette époque si difficile que nous traversons. Je voudrais avant tout citer le maréchal Pétain. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le malheur. Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal. Mais j'ai foi dans le relèvement de la France. Son passé répond de son avenir. La patrie demeure intacte tant que subsiste l'amour de ses enfants pour elle. La France remettra en honneur les grandes vérités de la morale chrétienne qui ont formé la base solide
de notre civilisation. Et nous laisserons maintenant le pape Saint Pie X conclure sur ce message d'espérance. Un jour viendra, et ne tardera guère, où la France, comme autrefois Saul sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une lumière céleste, et où elle entendra une voix qui lui répétera « ma fille, pourquoi me persécutes-tu » Et sur sa réponse « qui êtes-vous, Seigneur ?» la voix répliquera « je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il t'est dur de réjaber contre l'aiguillon parce que dans ton obstination, tu te ruines toi-même. » Et elle, frémissante, étonnée, dira « Seigneur, Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Et lui « Lève-toi, lave-toi des souillures qui t'ont défiguré. Réveille, réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance. Et va, fille aînée de l'Église, nation prédestinée, vase d'élection, va porter, comme par le passé, mon nom devant tous les peuples et tous les rois de la terre. » Quelle grâce nous est donnée, dans cette époque terrible, de préparer le triomphe du cœur immaculé de Marie et de participer à ses côtés, à l'établissement du règne de son Fils, du règne du cœur de son Fils, jusqu'aux confins de l'univers. Je crois que là est là le message de Cotignac. Eh bien, mademoiselle, il ne reste plus qu'à vous remercier pour cet entretien qui a été véritablement passionnant et que j'espère va intéresser au plus haut degré la France entière qui va vous écouter tout au long de vos pérégrinations futures.